Cher Samon Nosuke, je t'écris dans l'espoir que tu recevras cette lettre avant qu'il ne soit trop tard.
Le château d'Abayama est le théâtre d'événements terribles. Certains domestiques ont disparu et je crains que ce soit la l'œuvre de monstres ou de démons. J'ai si peur, Samanosuke. On raconte que les monstres dévorent les domestiques et emportent leurs restes dans des cachettes souterraines. Mon frère Yashitatsu, trop absorbé par la préparation de la bataille qu'il va livrer contre, à Nobunaga, se désintéresse fortement du drame qui se joue ici. Samanosuke, bien que nos chemins se soient éloignés depuis des années, à cause de la rivalité entre mon père Dosan et mon frère Yoshitatsu, tu demeures le seul en qui je peux avoir entièrement confiance. Il ne me reste plus qu'à prier que tu reçoives cette lettre et que ton cœur t'ordonne de me venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Fidèlement, Yuki. Yours faithfully, Yuki. This way, sir. Par ici, monsieur. If our princess is at the keep, si notre princesse est au donjon, on peut y aller de deux façons. Le chemin de l'ouest ou le passage du nord. Kaede, je prends l'est. Understand. Pars par l'autre voie. Entendu. Salut, salut tout le monde, bienvenue pour mon let's play consacré au premier opus de Onimusha, Onimusha donc Warlord. Voilà, donc une introduction sublime cinématique de début, et on commence très fort puisque déjà on commence à voir des ennemis arriver. Alors simplement pour un confort de vision, mes let's play je vais les faire de 45 minutes. Alors vous allez me dire c'est très très long, 45 minutes, mais bon vous pouvez les voir en plusieurs fois. Moi le but c'est pas de poster de multiples vidéos, c'est de vous montrer un peu le jeu dans sa globalité puisque c'est un let's play. Je vais l'épurer, hein. J'ai retiré les scènes où je me plante, hein. Vous verrez que les réussites, mais n'ayez crainte, hein, le jeu je l'ai pas fait d'une traite sans être touché quoi. Je suis mort une paire de fois. Bien souvent je vous mettrai des annotations pour vous dire combien de reprises je m'y suis repris pour abattre un boss. Mais ouais, il n'est pas simple, mais il est très très beau. C'est franchement l'un des plus beaux jeux que j'ai fait dernièrement. C'est aussi un jeu, j'ai plein de jeux moi qui sont sur le côté et que je ressors un peu, que je dépoussière de ma bibliothèque parce que il y a longtemps je me suis dit je vais les jouer et en fait j'ai pas eu le temps. Donc là voilà, j'ai pris le temps, en plus ça vous fait du contenu pour Noël, donc tout sera bien. Donc je vais certainement les poster, donc des épisodes de 45 minutes, donc ici Yuki, hein, qu'on devait retrouver, et on la retrouve dès le début, à mon avis ça va pas tarder à tourner mauvais. Donc let's play, je vais l'enlever de. Enfin, je vais enlever toutes les séquences qui sont loupées, et je vais aussi enlever certainement les séquences de farm parce que c'est un RPG. Et que. Enfin beat'em all même. Beat'em all RPG, c'est un peu un mix des deux. Et automatiquement donc je vais épurer l'histoire pour que ça vous soit agréable et que vous perdiez pas du temps à voir des choses où je prends une demi-heure à farmer tous les monstres histoire de booster mes compétences et de booster mon équipement. Je vous montrerai quand même les équipements puisque plutôt que de prendre le premier enregistrement, je prendrai le deuxième enregistrement, ce qui vous permettra de voir une fois que j'ai fermé tous mes âmes à comment j'ai monté mes sabres au fur et à mesure. Donc là déjà ça commence mal. Donc là c'est un kami, c'est un esprit maléfique
japonais. Faut savoir que dans le folklore japonais fantastique, les démons ont différentes formes plus grotesques les unes que les autres, mais aussi très menaçantes, c'est-à-dire exagération des muscles, exagération des dents, enfin voilà, selon les facultés qu'a le monstre. Ok, donc là on a échoué, on a pris un bon coup et on se retrouve dans les vapes. Samanosuke, réveille-toi, Samanosuke. Tes pouvoirs actuels ne te permettent pas de vaincre les démons. Nous allons te conférer nos pouvoirs. Nous sommes le clan des ogres qui a soumis les démons. Qui a été soumis par les démons, excusez-moi. Samanosuke, vins et enferme leurs âmes dans ta main droite. Détruis tous les démons. La fortune me sourit aujourd'hui. The power of this gauntlet, I will destroy all of those monsters. Avec le pouvoir de ce gantelet, donc là, je vous montre vite fait. Vous pouvez faire des arrêts sur image pour dire de voir un peu les instructions pour les touches. C'est pas le plus important pour le jeu. Là, c'est vraiment de vous montrer comment j'ai vécu cette expérience. Hop. Donc là. Donc ça, en fait, c'est le système à la fois qui permet d'améliorer vos armes ou d'enregistrer. Bon, là, j'enregistre parce que je vais pas farmer là. Je vais farmer un peu plus tard. Donc voilà. Ok, donc premier gros combat. Différentes touches. Le R1, si je me rappelle bien, c'est pour mettre en garde. Le L1, c'est pour dire de te dire sa défense, enfin sa parade. Donc voilà, on élimine et en même temps on absorbe. Donc ça, vous voyez, chaque fois que vous tuez un ennemi, il dégage une partie de son âme. Donc là, le tout est de... Hop, voilà, j'en ai perdu une. Parce que, bah, évidemment, à un moment, vous avez des choix à faire entre récupérer l'âme ou bien taper. Vaut mieux récupérer l'âme après que de se faire frapper. Parce que vous allez voir, ça va très très vite. Hein. Ok. J'essaye de faire des allers-retours pour dire de voir si ça spawn encore, mais non. Donc là, on avance.
Alors, au niveau de maniabilité, c'est pas simple. Dépêche-toi. Trop tard. Monsters! Close the door, now! Ferme la porte. Mais il reste quelqu'un. Trop tard. Ok, donc ils sont sympas, eux. Ils m'ont bien lâché sur ce coup-là. Donc voilà, je me mets en garde, je pars le premier coup et je frappe. J'enchaîne le coup au fur et à mesure. Et après, en fait, j'enchaîne. Hop. Voilà, je me remets en garde, ce qui me permet de parer et de frapper. Donc là, à partir de là, c'est un carnage. Puisque vous enchaînez, hein, vous faites des combos. Hop. Je récupère les âmes possibles. Voilà. Hop. Lui, j'ai pas eu besoin. Il s'est jeté sur moi, donc j'avais pas besoin de me mettre en parade. C'était clair que j'allais le prendre de vitesse. Ouvre la porte, j'ai tué tous les monstres. Il a tué... Qu'est-ce qu'on fait? You. We are very sorry. Please, désolé, nous sommes désolés. Pardonnez-nous. Que vous étiez arrivé. Ils ont surgi sans gré égard et ils nous ont attaqué. Ils ont peut-être aussi attaqué le donjon. Le donjon dans cette direction. Oui, la route de la forêt offre un raccourci vers le donjon. Je vois. Donc là, on avance. Lui, je perds pas mon temps avec, ça sert à rien. Donc, ouais, alors c'est très très peu maniable, hein, c'est du jeu PS2. Mais, enfin, il faut un temps d'adaptation si vous voulez. Pensez pas que vous allez réussir à... Ah, ça y est, ça commence. Donc là, c'est encore un autre ennemi. On dirait des ninjas en fait. D'ailleurs, c'est des ninjas, je pense. Clairement. Tant que vous avez les sortes de squelettes samouraï là, autant ça c'est... Et ça donne beaucoup plus, hein, comme vous voyez en âme. Donc ça, ça vaut le coup d'être farmé, ça. Je vais attendre un peu. Bon, ça je l'ai pas écourté, hein, parce que ça sert à rien. De toute façon, je vais finir par y aller. Hop, c'est bien ce qui me semblait. Alors là, le problème, comme vous voyez aussi, c'est qu'au-delà des déplacements qui sont pas simples, vous avez aussi un jeu de caméra qui est pas toujours... c'est très aléatoire en fait, hein. Quelquefois ça va vraiment bien se placer, waouh, bien, ça a bien donné ça. Et quelquefois par contre, c'est vraiment un cauchemar parce que vous êtes hors champ. Hors champ caméra, et alors là pour dire de... Ou même des fois, vous êtes à la lisière de la caméra et vous voyez pas ce qu'il y a en hors champ et il y a un ennemi qui est là en train de se préparer à vous attaquer. Ça aussi c'est énervant. Quel trou immense, il me semble impossible d'en remonter. Bon, on descend. Donc là on avance, vous allez avoir un exemple je pense de caméra vraiment hors champ ou qui est vraiment désagréable. Donc là j'essaye de voir s'il n'y a pas des choses à ramasser parce qu'en fait il faut fouiller aussi. Bon là je me prépare à mon avis... Ouais voilà, vous voyez, ça c'est le genre de truc, si je m'étais avancé un petit peu plus, bah là je me faisais cueillir par un ennemi qui est carrément en dehors de la caverne, qui était sur ce plan-là. Et c'est ce qu'il y a de vraiment embêtant. Techniquement en fait, au niveau de l'histoire, le jeu est sublime. Y a rien à dire, le scénario est vraiment très très beau. J'ai intérêt à me presser à prendre les âmes là. Voilà, c'est bon. Franchement, le scénar est terrible. Comment on appelle ça, tout ce qui est graphique, esthétisme, ça a vieilli, mais franchement, ça reste agréable à jouer. C'est clair que si c'était rafraîchi, ce serait mieux, mais là, franchement, on n'a pas à se plaindre. J'ai vu des jeux pires sur PS2. Par contre, c'est au niveau des déplacements, donc bah, c'est du système PS2, donc bah, ça vieillit aussi. C'est assez aléatoire, surtout
dessus quand vous voulez tourner ou quoi que ce soit, quoi. Vous devez avancer puis après tourner. C'est ah oui, en plus au niveau de la manette, si vous voulez le pad directionnel, pour avancer, faut pas regarder votre personnage à l'écran. Si vous voulez avancer, faut appuyer vers la touche directionnelle du haut. C'est-à-dire que même si vous voulez aller vers le bas et que vous voulez avancer vers le bas, vous devez appuyer sur la touche du haut du pavé directionnel. Ce qui crée des fois des confusions, parce qu'on est habitué à orienter le personnage dans le sens où on veut et d'utiliser le pad dans le sens où on veut. Or là non, faut pas tenir compte des déplacements du personnage, faut simplement savoir si vous voulez aller à devant ou derrière, et à partir de là c'est le pad vers le haut ou vers le bas. Ce qui peut des fois... Note de Sous-Gêne, au brave qui trouvera et lira ce document, fais le vide dans ton esprit et concentre toute ton attention sur les avertissements que je formule ci-dessous. Il existe un grand clé d'ogre qui tire sa puissance de l'âme de ceux qui ont péri de la main des démons. Maîtrise ses secrets et tu jouiras d'un pouvoir considérable. Désolé, j'ai pas réussi à tout lire, mais bon, en gros, si vous voulez, vous pouvez toujours faire un arrêt sur image. Mais bon, c'est une introduction. Simplement pour vous faire prendre conscience de la puissance du grand clé, en fait. Donc là, on se retrouve dans un couloir et des ennemis normalement de part et d'autre. Donc là, hop, je m'occupe déjà de cela. Hop. Ok, c'est bon. Normalement, ils doivent en avoir aussi de l'autre côté. Bah voilà, ils arrivent. Hop. Donc là, j'enchaîne. Hop. C'est bon, j'ai réussi à cibler. Et en même temps, je les tue. Donc là, c'est laborieux en début de jeu. C'est vraiment laborieux parce qu'il faut leur assigner quand même une paire de coups. Donc là, j'essaye de récupérer ce que je peux. J'ai perdu quand même quelques âmes. Ce qui est quand même du gâchis, parce que j'aurais pu en avoir beaucoup plus depuis le début. Je trouve que... Enfin, c'est le temps que je m'habitue, mais je perds. Donc là, pareil, vous voyez pourquoi il faut fouiller vraiment partout. Donc ça, je vous explique, c'est des textes qui reprennent l'histoire des ogres, du clan des ogres, et de l'explication du gantelé, et aussi de leur façon d'être. Moralité, ça vous permet, au fur et à mesure, vous allez voir, il y a des coffres où on vous pose des questions. Et si vous n'avez pas ces livres, vous n'avez pas les réponses. Et le fait de répondre à la question débloque le coffre et donc permet d'obtenir des bonus. Donc là, je regarde. La fluorine, j'ai jamais réussi à comprendre à quoi elle sert. Donc c'est un peu dommage, mais non, j'ai eu beaucoup de fluorine et ça n'a jamais été utilisé en fait. Faut les collectionner, je pense que c'est des bonus de fin de scénar en fait qui doivent enfin ça doit compter comme un bonus en fait. Donc là, comme vous voyez, dans les déplacements j'ai vraiment beaucoup de mal, mais c'est pas de ma faute, c'est vraiment que le jeu est comme ça. Pour autant, c'est un très très bon jeu, je vous le conseille, c'est une belle expérience. Ce serait dommage de passer avec, même s'il a vieilli. Donc voilà pourquoi il faut casser les jarres, c'est que des fois ça cache des choses. Maître Sugen et moi avons suivi le monstre qui a enlevé les habitants de la ville jusqu'à cette grotte. L'endroit est un véritable nid de démons. Tous les types de monstres inimaginables s'y trouvent, sans compter tous ceux dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Ils se donnent le nom de démons, ils détestent la lumière du jour et semblent avoir toujours vécu sous terre avant même l'apparition de l'humanité. Mon maître est résolu à pénétrer dans cette grotte. J'ai confiance dans ses capacités à repousser les démons. Armé de ma foi et de mon courage et aussi de mon modeste talent de dessinateur, je ne crains pas d'affronter les monstres. J'ai donc l'intention de consigner tout ce que nous découvrirons au cours de cette expédition. Je crois que nous allons écrire un livre des plus incroyables jamais écrits. Donc là, je finis parce que je vérifie. Donc j'avais déjà commencé, hein. J'avais déjà commencé, mais en fait j'ai eu un souci d'enregistrement, donc j'ai perdu pas mal de données, donc j'ai dû recommencer la quête. Donc au début ça a l'air assez simple pour vous. Donc voilà, là j'ai trouvé la première perle qui se met au niveau du gantelet, et c'est celle d'électricité, donc j'ai un sabre électrique. Justement, on n'a pas trop parlé de l'interface, c'est assez
pur. Il y a qu'en haut en gauche, ou alors vous avez la boule de couleur, donc elle sera bleue si elle est électrique, rouge si elle est de feu, et verte si elle est du vent. Donc trois éléments. La jauge orange, c'est votre vie. Donc là, ici, on reviendra sur l'interface. Ici, vous avez un casse-tête, puisque les coffres peuvent s'ouvrir directement. Soit vous avez une question et vous devez y répondre, soit vous avez ce système. Donc, je reviens sur l'interface. Donc, j'ai trouvé une échelle. Donc, la jauge orange, excusez-moi, c'est votre vie. La jauge bleue, c'est un pouvoir. Et la jauge rouge bizarre, ça c'est les âmes que vous accumulez. Donc là il me semble voir quelque chose. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, c'est un bijou magie. Donc en fait, les bijoux, vous en avez deux sortes. Bleu, c'est la magie. Jaune, c'est la vie. Moralité, ça vous permet d'augmenter vos... comment on appelle ça? Donc là, vous voyez, c'est l'épée... et ça, c'est mon armure. Pour l'instant, elle est normale. Et là, évidemment, on va prendre le bijou, le vla. Et hop. Donc, vous allez voir, ça augmente ma jauge de magie. De mana, si vous voulez, c'est un peu pareil. Les jeunes, en fait, c'est pareil, mais c'est pour votre vie. Donc là, comme vous voyez, on a accès à pas mal de choses, notamment tout ce qui est les livres, ce qui peut être hyper intéressant. Si vous avez besoin d'aller rechercher quelque chose, l'interface est plus simple. Donc ici, je vous ai parlé des coffres qui permettent de débloquer des bonus. Donc voilà, Spalmodie est le nom du clan qui a été soumis par les démons. Donc c'est le clan des ogres. Donc ça s'écrit comme ça. Je le sais puisque j'ai déjà joué. Si vous bloquez ici, il suffit de reprendre exactement les mêmes glyphes et automatiquement vous débloquerez. Donc là, ici l'épée, on va... Ah non, on va prendre le bijou, excusez-moi. Je fatigue un peu. Donc voilà, la jauge a rattrapé la jauge de magie. Elles ont augmenté toutes les deux. Et là, on va enregistrer, sachant que j'ai farmé entre temps. Donc ce que vous allez voir là, voilà. Je reprends l'enregistrement, j'améliore mon arme. Donc voilà, on appuie sur X et en fait, on transfère les âmes qu'on avait dans le gantelet au niveau de notre arme. Voilà. Donc entre-temps, j'ai farmé. Vous avez vu, j'ai beaucoup plus d'âmes. Et automatiquement, là déjà, je débloque le premier niveau, ce qui fait que j'arrive au niveau 2. Et je vais continuer. Pour dire d'essayer d'arriver au troisième niveau qui est le niveau le plus haut des armes, sachant qu'il faudra aussi améliorer les perles. Donc quand je dis les perles, c'est les yeux là du gantelet. Soit l'électricité, le feu ou le vent, ce qui permet d'ouvrir les portes. Là vous allez voir, c'est une porte de niveau 1. Donc en gros, il n'y avait pas besoin d'augmenter l'œil. Donc voilà. Ce que j'ai fermé, c'est ici sur ce pont. Donc normalement, il y avait des ennemis qui spawnaient de partout. Voilà, ça commence. Donc voilà, comme ça, vous ne loupez rien. Parce que j'ai eu peur que ça ne respawn pas. Mais c'est bon, c'est fait. Donc là, ici, ça y est, c'est bon, ça commence. Donc je les enchaîne. Sachez que si vous frappez un ennemi directement à partir du moment où il spawn, c'est-à-dire quand il apparaît dans ce nuage là, vous pouvez le tuer très très vite et ça vous permet en fait de pas perdre de temps en combat en fait. Vous le tuez d'office dès que là je l'achève. Alors pour achever comme ça, c'est pas particulier, il n'y a pas de touche particulière. Il faut simplement bien se positionner au-dessus de votre adversaire. Ah zut, j'aurais dit pareil. Vous courez pour une fois qu'il
qui trébuche et qui tombe sur le dos, vous courez dessus et vous appuyez, et normalement si vous êtes bien positionné au-dessus, ça se fait automatiquement, ça plante le katana dans la chair de... dans le ventre de l'ennemi. Hop. Hop, voilà. Là, il est au sol, j'essaye de... Et voilà, vous voyez. Donc, une fois qu'il était au sol, j'ai couru dessus et j'ai appuyé, et ça a fait cet enchaînement qui fait que vous achevez votre ennemi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment. Des allers-retours entre ce pont et ici, vous allez voir. Donc là, il y a une porte, là-bas au bout, mais qu'on ne peut pas ouvrir pour l'instant. Et j'ai fait ça, je me suis amusé à faire des tours de cours et le pont sans arrêt pour farmer un maximum d'âmes. Bon là, automatiquement, pareil ici, si vous vous placez bien, normalement vous l'achevez, mais bon, j'ai pas eu besoin vu qu'il a eu son compte. Alors, des nouveaux ennemis sont apparus aussi, c'est des espèces de centaures, des taureaux... C'est bon, je l'ai paré. J'ai eu chaud. Hop, j'achève. Donc cet enchaînement-là, vous allez arriver à l'avoir assez vite. Hein. C'est assez simple. Hein. Il suffit d'avancer en courant et d'appuyer sur carré. D'ailleurs, au niveau des attaques, vous avez deux types d'attaques. Vous avez l'attaque carré qui est rapide, mais pas très... comment dire, qui fait des dégâts, mais pas trop. Et à côté de ça, vous avez l'attaque triangle qui, elle, déchaîne... donc le triangle, c'est la touche du haut. Elle déchaîne en fait votre pouvoir. Donc là, le pouvoir des éclairs, c'est vous tapez plusieurs fois votre ennemi et à la fin, ça finit par amener la foudre au-dessus. Et celle de feu, c'est carrément vous envoyez une sorte de gros coup où il y a une... une sorte de flamme au sol qui part en ligne droite, et celle de l'air, si je me rappelle bien, ça fait un tourbillon, mais vous verrez un peu plus tard. Ok, là je les enchaîne. Voilà, donc rien de très compliqué pour... Ah voilà, justement, j'avais peur de pas pouvoir vous le montrer. Voilà, ça c'est un centaure. Donc c'est une sorte de minotaure en fait. Non, d'ailleurs j'ai dit centaure, je me trompe, c'est un minotaure. Alors par contre, les dégâts qu'il fait, c'est infâme. Là j'ai réussi à le déstabiliser, faut que j'arrête. Voilà, c'est bon. Je pensais que je devais l'achever, mais non, c'est bon, il était déjà mort. Donc... Voilà, je continue un peu de farmage avec vous pour vous montrer, mais par la suite, ne vous inquiétez pas, dès que je peux, j'élimine ces phases-là. Là, c'est le tout début, je vous montre, c'est ce que j'avais déjà fait, hein. Donc vous plaignez pas trop, j'en ai déjà enlevé, parce que c'est vrai que je l'ai fait une paire de fois. Donc voilà, c'est ça que je m'amusais à faire, et je revenais aussi entre-temps sur le pont, donc là, il y en a deux. Ok. Pour vous montrer un peu le jeu aussi, je vais vous montrer un peu comment on s'y prend avec ses ennemis. Voilà. Comme vous voyez, c'est de plus en plus simple. Ces ennemis-là sont pas trop durs. Hein. Ceux qui sont vraiment durs, c'est les Minotaurs, là, pour l'instant. Et vous allez voir par la suite, ils vont en avoir d'autres. Ouf. Je vais d'abord m'occuper de lui. Bon. Ah oui, particularité que j'oublie assez souvent. C'est qu'un minotaur, il peut vous envoyer sa hache. Ah, ça y est, j'ai récupéré l'orbe jaune, là, telle que vous la voyez, c'est de la vie. Donc, ouf, comme vous voyez, ça rigole pas. Hein. Quand vous prenez un coup d'un minotaur, c'est effarant. Ils ont une puissance. Hop, je me recule et là, je frappe. Hop, hop. Je me suis fait cueillir sur le retour. Oula, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Hop, hop, et j'y vais. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le déstabiliser, faut que je l'achève. Non, c'est bon. Il était déjà mort. Donc voilà, là, ça, on l'a fait aussi. Ok, donc là, on est bon. Par contre, il va falloir que je trouve le moyen de récupérer de la vie assez vite, parce que...
Ça craint, je peux pas continuer comme ça. Ok, allez, on avance. Je pourrais prendre des herbes, mais vous allez voir, en combattant les petits ennemis, en fait, vous pouvez aussi récupérer pas mal de... Bon, là, je vais exceptionnellement repartir sur le pont, je suis désolé. Faut pas paniquer, hein. Quand vous avez peu de vie comme ça, paniquez pas trop, c'est pas la peine. Gérez bien vos combats et vous verrez que assez vite, vous allez pouvoir récupérer un peu de vie, puisque en éliminant les ennemis... Bon, là, j'ai pas trop de chance. Ils se font de plus en plus rares, là. Ok. C'est la panade. Non, c'est bon. Ok. Ouais, quand vous voyez spawner en fait vos ennemis, ayez le réflexe de vous mettre quand même en garde, parce que vous savez pas s'ils vont pas vous foncer dessus. Bien souvent, vous l'entendez, hein, y a une sorte de bruit spécifique quand ils se mettent à rouler. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas prendre cette porte-là, puisque je n'ai pas... comme vous voyez, c'est un saut rouge. Et donc, ça demande l'épée adéquate. Là, enfin, avec l'œil adéquat. Moi, pour l'instant, je n'ai que le tonnerre. Donc là, actuellement, cette porte-là... Vous voyez, je commence déjà à récupérer de la vie. Par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Hop, on revient en arrière. Et on y va. Voilà. Là, il m'a pas donné de vie, il m'a donné que des âmes, mais bon, c'est déjà pas mal. Hop, alors ici. Alors là, je suis pas en mode facile, parce qu'il y en a qui le font en mode facile. J'ai même vu des... comment on appelle ça? Des speedruns. Des joueurs qui le font très très rapidement en mode facile, où vous avez déjà tous les pouvoirs et tout le reste. Moi, je le fais là en version... Alors c'est pas la plus difficile, c'est la version moyenne, mais je le fais en normal en fait. Mais de toute façon, au tout début du jeu, vous n'avez que ces deux options, soit facile, soit normal. Donc j'ai pris la version normale. Vous voyez pourquoi il faut vous mettre en garde, ça va très vite. Hein. Et sur ce genre de petite erreur, vous perdez de la... Voilà, donc là en garde, vous perdez de la vie en moins de 2, ce qui est un peu dommage avec ce genre d'ennemi. Parce que c'est pas les plus... voilà, c'est bon, j'ai eu le temps. J'ai eu peur de planter à côté. Il se peut que si vous arrivez pas à temps, vous plantiez la lame, mais juste à côté de votre adversaire. Voilà, donc là, pareil. Bien fait de me mettre en garde. Donc ça, c'est des automatismes à prendre. N'hésitez pas à vous mettre en garde, vous risquez rien, sauf avec les gros boss. Où là, évidemment, les gros boss, des fois, même en vous mettant en garde, vous prenez des dégâts. Moins que ce que vous devriez prendre sur un coup lambda. Mais vous en prenez quand même. Bon, là c'est un carnage. Oh, il y a de la vie. Hop, je récupère. Ouais, un peu de vie. Ok, bon bah. Vous aurez vu quand même une séance de farm, mais je vais essayer d'éliminer par la suite ces... C'est parce que là, si je vous passais cette séquence-là, vous ne voyez pas. Vous auriez jamais vu cette partie-là, c'est-à-dire le pont, ainsi que la cour intérieure. Enfin, la cour d'entrée, surtout. Parce que la cour intérieure, c'est encore autre chose. Donc là, on continue. Ils sont facilement gérables, hein, ces ennemis-là. Là, on récupère encore un peu de vie, ce qui fait toujours du bien. Donc vous voyez, sans prendre d'herbe, il y a possibilité... parce qu'il y a des herbes et des potions. Oula, là, j'ai intérêt à faire gaffe, ça va être autre chose. Hop, je me recule. J'ai loupé mon coup. Hop, je me recule, je avance et je frappe. Je recule. Ouf, j'ai pas réussi. Il a enchaîné un deuxième coup, je m'y attendais pas. Et vous voyez, ça descend assez vite quand même. Hop. Hop. Donc là, j'y vais. Ah zut, ça c'est le truc à éviter. Bien souvent il enchaîne derrière et oh, je suis en train de reperdre tout ce que j'avais gagné. Bon, après c'est le début du jeu, donc voilà, là il faut que j'y aille et que je le... Non, c'est bon. Ah, il me rend pas la vie. Ça c'est embêtant par contre. Bon, tant pis.
On va... Oh là là, il y en a un deuxième. Donc... Oh. Je pense que je vais un moment déchaîner. Si j'y arrive pas... Oh zut, ça c'était le truc à éviter. Et voilà. Bon, ben là je pense que je vais y passer. À moins que je déclenche. C'est bon, je l'ai vu. Inextrémiste. Hein. Ok, bon, il n'y a plus qu'à recommencer. Donc vous voyez, c'est sincèrement, je pense qu'on va simplifier les choses. Je vais prendre un peu. Donc ça, c'est une autre façon de faire si vous les récupérez. Vous avez les comment on appelle ça, les racines, donc les herbes, ce que j'appelle les herbes, qui vous permettent de récupérer un peu de vie. Mais vous avez aussi un autre type de c'est des médicaments en fait. Et là, automatiquement, ça vous fait récupérer toute votre jauge. Donc à utiliser avec parcimonie, parce que ça sera un peu... Gardez-les plutôt pour vous quand vous attaquez des boss. Ça y est, ça s'enchaîne. Donc on revient aux premiers ennemis. Les samouraïs décharnés. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop, on enchaîne. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de buter là. On va aller l'aider. Voilà, c'est fait. Donc on vient de sauver quelqu'un. Et bien souvent quand c'est comme ça on est récompensé, c'est-à-dire que la personne va vous dire quelque chose et en plus lâche un item. Donc là c'est quoi comme item? Faut bien se placer. Ah bah voilà, bah justement, je récupère le médicament que j'avais. J'avais perdu, donc c'est bon. Ok, donc là ici on peut pas passer, c'est marqué, il faut la clé rouge qui va avec. Donc on pourrait penser qu'on est dans un cul-de-sac, mais non, parce que il y a un truc à savoir, il suffit de se mettre ici et automatiquement on utilise la corde. Alors, grosse particularité du jeu, c'est que les items que vous récupérez ne se déclenchent pas automatiquement, il faut y penser. C'est-à-dire que là, vous voyez, si j'avais pas été dans mon inventaire et que j'avais pas sélectionné l'échelle, jamais elle se serait mise. Et donc, jamais je serais descendu. Et donc, j'aurais pu errer comme ça pendant un moment. C'était les anciens jeux, c'est vous n'êtes pas aidé, vous n'êtes pas assisté, à vous de penser à utiliser les choses au moment où il faut les utiliser, alors qu'aujourd'hui dans les nouveaux jeux, bien souvent, il suffit simplement d'être dans le secteur et d'avoir l'item et hop, ça se fait automatiquement. Là non, fallait vraiment réfléchir, et donc là ici, j'ai pas la possibilité de rentrer par là, puisque j'ai pas pour l'instant l'orbe qu'il faut. Donc ici j'ai découvert un coffre. Ah bah justement je vous parlais des herbes et des médicaments. Là on a un médicament, ce qui peut toujours être utile. Alors ici. Ok, donc là je l'avais pas trouvé encore, donc ça c'est à découvrir. Quel équipement fut créé par le clan des ogres pour détruire les démons? Bon, c'est le gantelet, hein. Mais le gantelet des ogres. Donc, mais par contre je ne sais plus comment on écrit gantelet, donc c'est ça qui me... Des ogres, je le sais. Et encore des ogres... Le petit carré là, je sais que c'est D. Mais après, ogre, je l'écris comment? Oh là là. Ça y est, je crois que c'est le trou noir. Ce qui est un peu stupide. Je me demande si c'est pas comme ça. Oh. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai fait. C'était pas ça. Le clan des... donc, le gantelet, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Ok. Et les ogres, c'est pas...
c'est plus petit.